L'hélicoptère Bell AH-1 Cobra, qui est ici donc dans le jeu, dans sa version AH-1. On n'utilise donc qu'une partie de sa grappe. Cet hélicoptère doit son existence à la guerre du Vietnam originellement. Il devait en effet épauler le UH-1 UE, vulnérable lorsqu'il déposait des troupes au sol. Bell a remporté l'appel d'offres américaine avec son prototype modèle 209. Le premier Cobra a été livré en juin 1967. 1116 unités ont été produites jusqu'à février 1973. Cet hélicoptère a une puissance de feu impressionnante, avec notamment ses missiles BGM-71 filo-guidés, ses tubes lance-roquettes M-159 et sa Gatling de 20 mm M-197 Vulcan. Il faut savoir qu'il est toujours opérationnel de nos jours comme chasseur de chars, justement, au sein de l'USMC, les Marines, pour sa simplicité de maintenance surtout, mais aussi parce que son profil le rend extrêmement difficile à cibler par les canons anti-aériens. Il faut savoir que son cockpit ne mesure en effet que 98 cm de large. I got him.